Bonsoir mes amis, M'sakhir alaykoum. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo très rapide à l'aide de ce qui s'est passé à la chaîne Hayat. La chaîne de Abd Hannash. Abd Hannashi, la chaîne Tao, elle a été sanctionnée il y a deux jours par l'ARAF, l'agence de régulation de l'audiovisuel. Elle a été sanctionnée suite à une émission, à une interview de Wahed, Khalou Amirouche, Aïd Hamouda, qui a dit des conneries sur l'histoire de l'Algérie, sur les symboles de la révolution algérienne, notamment l'émir Abdelkader et même Boumedine, mais ça n'est pas. Il a dit des trucs. Et le journaliste, qui n'est pas un journaliste entre nous, c'est un propriétaire de la chaîne, il fait de l'argent. Il fait de l'argent, il a fait de l'argent. Il est connu pour ça. Et après, il a diffusé l'interview sans se rendre compte que Aïd Hamouda, dans le niveau intellectuel, est flou. Les grands hommes, les fêtes, les mérantadeurs, les bondines, et les salariés. L'arabe, je ne sais pas comment elle s'est réveillée, je ne sais pas. Mais je suis persuadé qu'elle a été réveillée. Non pas Hiya de son propre. Elle a été réveillée par les autorités supérieures. Suite au tollé général qui a eu lieu sur les réseaux sociaux, les journalistes, les hommes politiques, les anciens moudjahidines, et sans oublier Brqsdira Hadak, à partir de Londres, il a insulté Abd Hannashi, et il l'a insulté violemment et virulement, il l'a insulté. Et donc, l'arabe Nadat era sanctionné 8 jours du 23 au 29. Alors je considère que ce n'est pas une sanction à la hauteur de la faute qui je dis là, mais l'arabe n'a-t-elle pas fermé les yeux sur Hada Hannashi qui can y dire depuis des mois et des mois où il dit l'émission et avec la politique. Oui, Jib Muharrijim, Jib Wahed, un journaliste sportif qui a été rejeté de la Kabylie. Oui, il accepte sur le plateau en tant que journaliste politique et il lui donne la parole et il lui a parlé une tribune. Fiha, où les sub le Hukuma, où il conteste les décisions du président, il y a de l'armée. Et il lance des messages. Il lance des messages virulents. C'est pas possible. C'est pas possible. Il donnait la parole à un autre journaliste qui a disparu. C'était un journaliste arati. À l'époque de Boumedine ou Chedli, je ne sais pas où il est. Depuis Bouteflika, on a l'Hirak, il est devenu contre le pouvoir de Tebboune, contre le président de Tebboune ou contre l'Akhor ou Kallak, le Zemiro. Il y a avec les thèses de l'Hirak. C'est un type qui a une dent contre l'État algérien. Abd Hannashi, donc, a donné la parole à Aïd Hamouda, qui, au vu de son niveau, il est un peu revanchard.
Il est un peu revanchard. Et en plus qu'il est activiste berbère, il est revanchard contre l'État algérien. Ou a-t-il la parole, il disait ce que vous, il disait sur l'histoire, hein, alors qu'il n'est pas ni un historien. Mais il a un niveau intellectuel assez élevé, parce qu'il y a de l'histoire. Je lisais par image, je lisais les journaux, on a un grand gueule de bébé, on a un grand ton père, on a un grand histoire. Un type, il insulte des morts, notamment Boumoudine. Galère, je ne lui pardonne pas pour avoir déterré mon père et un autre chéri de l'Arhaman. Ou déjà, bon, la caserne, les Khoudjaou, ils les ont enterrés pendant Bachar Chal. Je ne lui pardonnerai pas. Il est connu. C'est un opportuniste. Je ne sais pas comment il a créé avec la chaîne. Où il fait son business, ce qui l'intéresse c'est son business, ou dans les autres troubles, ça a été ramené, il s'allie au diable pour régler ses problèmes. Et je cite un cas. Quelqu'un qui le colonel Fouzi ou Hakim l'a même mis sur l'audiovisuel algérien, sur les journaux et tout, la publicité. C'était son copain. Il a dit, il a dit, il a dit. On va dire, j'ai un autre Lascar, qui a été honoré. Quel journaliste fait son téna, coule à le journal fait son téna, la comptabilité, des expertises, l'un, mais elle met le gauche, des trous, t'as de la mort. Wada Honori, il a réussi à devenir directeur général de la NEP. Directeur général de la NEP. Directeur général de la NEP, il s'occupait du journal encore, à une double fonction. Il critiquait son ministre. Parce qu'il voulait habiter la ministre. Il voulait ministre. Ministre Faklou. Allez, taïro. Et notre ami Hanashi, l'opportuniste, Wahdana a été derma une interview, presque deux heures. Il lui a donné la parole, ou l'autre il s'est laissé aller, ou bien il critiquait, ou bien je me nage, ou il a critiqué des gens, il a cité des gens. Hein. Ouh, Yahdaro, il a critiqué, ou il goulanaya, je suis un merde. Personne ne peut me donner des ordres, ou haka. Finalement, Fakoulou Belliste, c'est aussi un opportuniste, où il n'avait pas l'envergure d'être directeur général de la NEP. Allez, on lui a donné un coup de pied dans le derrière. Pour revenir à l'arabe, on ne l'a jamais vu à l'œuvre. Elle somnolait. Elle était impuissante. Le directeur général d'Aha ou l'équipe dirigeante, ce sont des bureaucrates. Des bureaucrates. Il y a qui signent les ordres. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas toucher une chaîne. Ils ravent. Ils ravent doublement. Le cas qui appartient de la chaîne, je connais Moraha. Non, on ne touche pas. Et puis on touche à la chaîne. Tous les généraux d'étrangers, non, si on est saisi, là, ils si on n'est pas saisi, ils n'ont jamais fait leur boulot. Et l'affaire de Hayat, c'est venu d'où? C'est pas possible que ça vienne du directeur général de l'armée. Il n'est pas capable de prendre en charge un tel problème. Zid. Dans le cas de l'Arabe, le ministère de la communication de Ben Haïm, il y a des chaînes télé privées, ils sont créées à l'étranger, on a les registres commerciaux à l'étranger, l'existence d'Amel est à l'étranger,
ويخلصوا بدروا تاع الساتيليت يخلصوا عندو فيزا ليترونجي ويخدموا هنا الجيري عندهم لي جورناليست ولي جورناليست رايحين جايين ويعرضوا في لي ريسبونسابل ويعرضوا في لي مينيستر ويعرضوا في لوبوزيسيون ويعرضوا كما يحبوا بور فيك لارجون يغونط يخدموا كيفاش جو سي با سور كيل باز دو لوا جو سي با عندهم ان اغريمون باريتيل بروفيزوار مستر بروفيزوار كي دور صافي 4 ans حنا نسمعوا ils vont être algérianisés, ils vont être algérianisés, rien du tout. Femme, il y a des gens, on voit, ce qui les intéresse, c'est la pub, la pub. Ils engrangent des pubs. Mais des mangoules, pourquoi? Pourquoi ils engrangent des... Dans tous les pays du monde, la pub, elle est régie par l'autorité de régulation. Il ne faut pas embêter les gens de la pub. Il y a les télévisions à privées. Ils mettent plus de pubs que de films. Ouanaya, j'ai noté, dans un film, fait 1h40, il y a 5 coupures pour passer les pubs les mêmes, qui vont de 9 à 12 minutes. Imaginez, 9 à 12 minutes. 9 à... 9, entre 9, 10, 12. De pub. L'Algérien m'a dit, c'est le film. Il connaît chauffer un film. Après, il dit la pub. Il oublie que je fais le film, comment il va reprendre. Oui, on doit les mêmes pubs. Oui, on doit les mêmes pubs. Zid Hajjadra. Les pubs. En majorité, ce ne sont pas des pubs qui sont faites en Algérie. C'est des boîtes de com. Il dit pour des pubs de l'étranger, il n'y a pas le hadra, ou il y a le hadra en arabie, algérien. Mais ça, tu vois, l'Algérien, il fait qu'il y a les enfants, ce n'est pas des Algériens, les enfants, le meuble, mais personne ne parle, rien. Alors, le ministre de la Télécommunication, qui est un journaliste, Alors je reconnais. C'est un journaliste bien, il écrit, à l'époque, il écrivait bien. Il écrit de longs articles avec un français parfait, c'était un professeur, je ne sais pas, il est carré et tout. Ah oui, il devient ministre. Ou le ministre de la communication, il n'y a que le gouvernement. Mais le secteur Tao, il n'est pas bien géré. Il n'est pas bien géré. Ou le porte-parole du gouvernement, il parle bien. Mais il y a un désordre total dans le secteur de l'audiovisuel. Où il touffe la publicité, etc. Zid, Hadja encore plus galant. Il dit Bounès, où il dit la publicité, une publicité qui dépasse 15 minutes. Il dit dans une clinique privée. Il déroule une publicité, un film, une publicité sur comment se déroule l'opération Hadi, Hadi, que j'ai dit, oui, la stérilité Hadi, et c'est le client qui paye. Oui, je vous ai comme un reportage. Aucun contrôle. La Hasson, pour terminer, c'est un souk. Un vrai souk. Souk arabe. Souk arabe. Les chaînes, ils font ce qu'ils veulent. D'abord, je ne sais pas s'ils payent les impôts, ou ils ne les payent pas. Comment ils les payent? Ont-ils un registre de commerce algérien? Et le registre de commerce algérien, ils payent les droits de l'Algérie à l'étranger, de la mine, et puis le square, le méchant, ils disent, ils sont plein de villes, ils sont à Paris, ils sont à la Jordanie, ils sont à un week-end où ils sont abonnés. Il faut dire qu'il y a affaire. On n'a pas besoin de ces chaînes. Les djils, ils deviennent des chaînes privées algérianisées. Koulèche. Même le paiement, la Khori Khansou. Kane Wini Khansou. Un TDA. T'as le segment de satellite. Sous les lois algériennes.
الى الواد جينا نغدو للتريبينال يقدر يشارحها يقدر يشارحها سينو يروح معاك يا سي كش ما دير له كون يحبو كش ما دير له يروح للتريبينال اونغري ويطاكي كونجوت بعد تقول له تقول له لا با دروا دو لا با دروا دو ترافاي ما عندكش دروا تخدم هي تخدم ميلي قلبه ولا كوم يا دي مينيس اللي يجوا عندك هنا يهضروا في لي بلاطو لي جورناليست على الشان هادي يروحوا دون لي كونفيرونس دو بريس مع مع البريمي مينيس مع البريمي سو يبوز دي كيسيون ما تقول له لا انا كان نخدموا اون نوار لا 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 يفضلك يفضلك يا اون كاين كاين واش مو اون كما نابل سال راحت الهضره كاع يفضلك لو مينيستر يكون عنده اون بون اورغانيزاسيون دو سي شين او يسو ارجينياليزي يخدموا او نو ما يخدموش فو بلو لي ليسي ترافاي السلام عليكم بونسوار.